Bonjour, aujourd'hui donc on va voir une astuce sur Excel et comment mettre le quadrillage là où il y a du texte sur toute la scène. Par exemple, lorsque je mets ici l'aperçu, il y a donc mon tableau ici sans quadrillage. Je fais donc échappe. Lorsque je vais mettre par exemple une mise en page, je coche ici imprimer. Lorsque je mets par exemple ceci, voilà le quadrillage qu'on voit en aperçu et elle peut être imprimée lorsque je fais l'impression. Même si le quadrillage n'apparaît pas ici, lorsque je mets imprimé sur une feuille, le quadrillage il se met là où il y a l'écriture. Mais lorsque je mets par exemple ici l'écriture, par exemple, je présente 3, je vais colorer pour mieux. Lorsque je mets l'aperçu, voilà le quadrillage. Elle va toujours avec les colonnes qui contiennent de l'écriture. Et la même chose pour des lignes, comme ça. Donc, voilà. Ce qui contient de l'écriture. Même, il peut même aller jusqu'à la troisième feuille. Par exemple, comme ça. Voilà donc. Voilà donc la première, voilà la deuxième. Ok? Donc on peut imprimer sans mettre de quadrillage ici et là on est par rapport aux colonnes et par rapport aux lignes. À la prochaine.